son. Voilà. Il y avait un petit souci avec le micro. Voilà, donc on est avec Fabienne, comme j'ai un petit moment. Regardez ce chien, s'il est heureux de jouer avec sa maîtresse. Il a l'habitude de courir. Et donc, on assiste à une démonstration d'agilité du chien. Alors, voyons voir un peu ce qu'il lui fait faire. C'est assez fou. Alors, c'est bon cette fois. Qui est-ce qu'il est ? C'était Chantal. Ben, merci à Chantal de nous avoir dit que le son était mauvais. Voilà, donc on a ce jeune chien qui est tout heureux de participer avec sa maîtresse, donc Fabienne. Regardez, il attend. Il attend le top de départ et hop, il est parti. Alors il est assez long à suivre finalement, il est très très rapide. Regardez-le, il a son parcours qu'il connaît. Et on va le voir arriver là, regardez. Voilà, il est très 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 rapide. Regardez un peu s'il est heureux de jouer avec sa maîtresse. Donc je rappelle, on est dans les Alpes. Alors merci Chantal, surtout à vous. Merci de m'avoir dit que le son était... Il n'y a pas de son. J'espère qu'il est bon maintenant, qu'on entend bien les commentaires. Donc je rappelle, on est à La Rochette. On est au bord du lac de l'Étrier pour une démonstration. Alors on posera quelques questions tout à l'heure à Fabienne, qui est la propriétaire de ce chien qui est magnifique. Je ne sais pas quelle race est le chien. Elle nous dira ça tout à l'heure. On est un petit peu, mais on voit qu'il y a une complicité entre l'animal et cette dame. Ça se passe très très bien. Il attend que ça joue avec sa maîtresse. Et il est heureux. Il a un parcours qu'il connaît très très bien. Regardez un petit peu. Il fait le parcours à toute vitesse. Il passe les anneaux, il revient. Alors je demanderai quand même tout à l'heure à Fabienne comment est-ce qu'elle fait pour qu'il ait mémorisé tout ce parcours. C'est assez fou. Voilà, elle est là. Et il revient. Et j'ai du mal à le suivre. Allez, ouais. Regardez-le aussi. Il court très très vite. Et là. Ah, je vais reculer un petit peu, mais j'arrive pas à suivre le chien. Il va un peu trop vite. Alors, on a Coucou de Versailles. C'est Monique qui nous dit Coucou de Versailles. Bah, écoutez, c'est gentil. Quel temps vous avez par là-haut? Qu'est-ce qu'il fait? Je dis par là-haut, oui, c'est plus au nord que nous. Nous, il fait chaud, là. On doit avoir 19 degrés, là, en ce moment. Il fait bon, il y avait un rayon de soleil ce matin. C'était très, très agréable. Il y en a encore un petit peu maintenant, mais beaucoup de nuages qui se sont installés. Mais ça fait rien, il fait bon. Alors... Je dis, qui est-ce qui nous dit? C'est Simone, quelle belle verdure. C'est vrai que c'est beau autour du lac de d'Étrier. Donc c'est très très joli, beaucoup de verdure. On entend les oiseaux autour de nous. L'endroit est magnifique, regardez. Alors le chien attend le feu vert. Faut vraiment que je demande comment elle fait pour lui apprendre ce parcours. Parce que il connaît ce parcours parfaitement. Et pourtant, on vient d'installer tout ça. Donc, hop là. Un peu. C'est assez incroyable. Alors on a Sylvie qui nous dit coucou, ben merci à tous les gens de nous suivre. Beaucoup de monde qui nous suit actuellement, merci. Alors j'aime bien parce que ce chien est applaudi et même il est encouragé par d'autres chiens. Regardez, un chien qui encourage un de ses congénères. C'est assez curieux. Voilà. On a coucou de la Seine-et-Marne, sous le déluge. Ah, ben nous, on a ouais, 19 degrés, donc il pleut apparemment en Seine-et-Marne, et beaucoup même, d'après Sylvie. Alors, voilà, le chien attend. Donc, on a une des responsables qui va venir maintenant. Alors, je vous fais voir à nouveau le lieu où nous trouvons, qui est magique. Regardez, avec il y a un chemin de randonnée, une petite randonnée à faire autour de ce lac, qui est très joli. Beaucoup, beaucoup d'animation aujourd'hui. Regardez un peu si c'est joli. Une fête de l'autre côté du lac. Aujourd'hui, à La Rochette, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. Et voilà, avec des promeneurs. Et ben voilà, ici, c'est un chien, une dame avec un chien d'assistance. Voilà, c'est un petit peu une démonstration qui aura lieu tout à l'heure avec ces chiens très, très bien dressés.
beaucoup, beaucoup de, d'animation autour du chien aujourd'hui à La Rochette. On va aller voir un peu ce que fait ce chien. J'ai oublié de demander le nom de ce chien, mais on aura ça tout à l'heure. Alors, on a Chantal qui nous dit qu'elle adore ça, les chiens. Ça les défoule, ils aiment ça. Ben oui, on voit qu'il prend beaucoup de plaisir à le faire. On voit qu'il prend beaucoup de plaisir à le faire. Alors, on va essayer de voir ce qu'elle va faire avec le chien maintenant. Il y a quand même du monde hein, qui regarde ces démonstrations. C'est vrai que c'est assez spectaculaire quand on voit le chien. La manière dont il court et on a l'impression qu'il a mémorisé un circuit. C'est très, très curieux. Alors voilà, il y a Fabienne qui revient avec son chien. On va aller voir. Donc, qu'est-ce qu'elle va lui faire faire maintenant? Voilà. Et il attend, regardez, il est prêt au départ, il attend le top départ. Je vais essayer de le suivre. Voilà, regardez un petit peu à quelle vitesse. Il est très très difficile à suivre parce qu'il va très très vite. Allez. Ah oui, tunnel, il connaît, mais... Regardez un peu la vitesse. Allez. J'arrive pas à le suivre. Il va un peu trop vite pour moi. Alors, on a bonjour de Fécamp où il fait un temps pluvieux. Ben nous, il pleuvait ce matin de bonne heure parce qu'on n'est pas très loin d'Albertville. Et là, le temps s'est bien relevé. On a encore un ciel nuageux. Mais quelques rayons de soleil. Il fait très très bon. Alors, on va continuer à regarder ce chien avec cette démonstration d'agilité canine. C'est assez curieux. Il est merveilleux, ce chien, nous dit Bernard. C'est vrai. Et il y a Mimi qui nous dit bonjour. Est-ce que c'est dans la journée? Oui, c'est toute la journée, je crois, jusqu'à 18h à La Rochette. On est à peu près une demi-heure de voiture d'Albertville, de Chambéry. Voilà, c'était une très très belle fête. Vous pouvez venir encore. Il y a beaucoup d'activités et beaucoup d'informations aussi autour du chien. Il y a même des conférences qui sont gratuites. Hein, il y a un chapiteau, on peut suivre des conférences. Il y a 4 à 5 conférences aujourd'hui. On commence à 10h ce matin, donc jusqu'à 18h. Vous pouvez venir à La Rochette. Voilà, ce sont des jeunes dames qui ont organisé cette journée autour du chien. Voilà. Et puis alors, bien sûr, les promeneurs, on en voit beaucoup. Alors certains avec le chien, d'autres sans chien, qui se promènent autour de cet étang, l'étang de Détrier, qui est très très beau. On a les reflets de la nature dedans, c'est très chouette. Et beaucoup, beaucoup d'oiseaux autour de nous. On va revenir un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous avez le son, ça peut être un peu loin pour nous, donc elle va nous expliquer une autre démonstration du chien. Et regardez le chien, s'il est fier, il va se promener. J'ai l'impression qu'il va aller boire un coup. Regardez, elle en fait ce qu'elle veut de ce chien, c'est extraordinaire. Alors là, elle lui a demandé apparemment d'aller, je ne sais pas si je joue à cache-cache, je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais c'est assez impressionnant. Alors il y a Mimi Souris, bah, qui ne doit pas être très loin d'ici, qui veut venir voir la démonstration du chien, sur les chiens. Regardez, il ressort. La maîtresse en fait ce qu'elle veut. Ah, il est allé se baigner. Voilà, il s'essuie un petit peu dans l'herbe et il retourne voir sa maîtresse. C'est incroyable la agilité et la façon dont a ce chien d'obéir. Je vais faire un petit peu le tour. Je vais essayer de m'approcher de Fabienne, donc, qui est la personne qui fait la démonstration. C'est son chien. Je ne sais pas quelle est la race du chien. Je vais lui poser la question. Alors, beaucoup de monde hein, qui regarde, évidemment. On va aller un petit peu plus loin. Regardez, le chien arrive à nouveau. Voilà, regardez. Je ne sais pas ce qu'elle va lui faire faire maintenant. Mais bon, il a dû avoir chaud, donc elle l'a envoyé au lac se baigner. Il s'est rafraîchi, le chien, et il est revenu. Extraordinaire. La façon dont ce chien obéit.
Alors, on va avancer un petit peu. On va essayer de ne pas gêner. Alors, elle va faire quoi avec le chien maintenant ? Voilà. Elle fait ce qu'elle veut avec ce chien, c'est complètement fou. La façon dont il obéit, je pense, ça représente des heures et des heures. Beaucoup de patience. Regardez l'entente qu'il y a entre le chien et sa maîtresse. Eh bien, écoutez, c'est très beau. Alors, je suis un peu éloigné du lac. Voilà, j'essaie de me mettre un peu sur les hauteurs. Mais on va continuer avec cette démonstration. Bonjour, qui est-ce qui nous dit ? Oui, c'est à La Rochette, pour les gens qui connaissent. Hein, on est pas très loin d'Albertville, de Saint-Jean-de-Maurienne, de Chambéry. Donc on est en Savoie. Je crois même dans le cœur de Savoie. J'en suis pas certain, mais le cœur de Savoie n'est pas très loin d'ici. Et on est au printemps, puisqu'on a même des petites violettes qui commencent à sortir ici. On a un très très beau temps aujourd'hui sur la Savoie. Alors Bernard qui nous souhaite une très très bonne journée. Merci Bernard de suivre la place du village, merci beaucoup. Et regardez un petit peu ce chien, la manière dont il obéit à cette dame, c'est assez extraordinaire. Alors, je suis un peu loin, je ne peux pas faire beaucoup mieux, je ne vais pas non plus déranger la démonstration. Alors, pour les gens qui sont dans le coin, ben, je suis venu passer l'après-midi ici. On peut même se restaurer à midi, hein, y a un petit coin, un restaurant. Et regardez un petit peu comme ce chien obéit. Combien d'heures ? Alors, c'est assez remarquable. Alors, on ne va pas déranger Fabienne maintenant, on verra avec elle tout à l'heure pour poser quelques questions. Alors, on a un peu de vent. Alors, on a coucou de Belgique où il pleut. Ah, pas de charme. Il faut bien aussi que ça arrose. Hein. Bernard nous dit, c'est où ça, La Rochette ? La Rochette, donc, en Savoie. Pas très loin de Chambéry, Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne. La Ville-la-Maurienne n'est pas très loin d'ici. Et c'est La Rochette, Savoie, nous dit Garden. Bien sûr, on est à La Rochette, Savoie. Voilà, on va reculer un petit peu, parce que le chien, ouais, s'il revient, il obéit tout de suite. Hein. Voilà. Il est de retour. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Alors. C'est vraiment très très belle. Alors là, cette démonstration d'agiter Cani, il y en aura d'autres. Hein, à peu près toutes les deux heures, ils refont la même chose. Ils font les mêmes démonstrations. Donc pour les gens qui sont dans la région, dans le coin, pas trop loin, peuvent venir cet après-midi, ça continue. Il y aura aussi le canicross, comme il y avait tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui comme activité. Alors là, Fabienne va nous expliquer ce qu'elle va faire maintenant. Alors je vais essayer d'aller un peu plus près, puis on va essayer d'avoir des informations. Je m'éloigne un petit peu du lac qui est magnifique. Voilà, et on va voir un peu ce qu'elle fait. Alors je vais mettre ici pour m'approcher un petit peu, je vais demander si ça gêne un peu. Je gêne, sinon. Je m'approche un petit peu, c'est assez extraordinaire. Vous connaissez la race de ce chien ? Je pense que c'est un croisé berger. Il faudrait demander à sa propriétaire, mais ouais, sûrement un croisé berger allemand quelque part. Ouais. Alors je vais lui poser la question, je vais attendre qu'elle ait terminé. On va pas la déranger pour l'instant. C'est assez extraordinaire la complicité qu'il y a entre le chien et sa maîtresse, c'est assez fou. Comment ? Ouais. J'imagine qu'il y a quelques heures de travail avec le chien. Plus que quelques heures, des centaines d'heures.
pour avoir un travail aussi parfait, en fait, elle est tellement loin de son chien que c'est incroyable. Quand on est à côté, c'est si facile, hein, on lui montre avec le bras, mais il faut comprendre avec la distance. Oui, j'imagine. Regardez un petit peu, puis on voit un chien heureux, là. Ouais. Ah oui. Ah oui, ça c'est extraordinaire la manière dont elle fait courir ce chien, la manière dont il obéit. C'est impressionnant, hein, c'est hyper impressionnant. On a l'impression que ton chien, il est vraiment mal à ton bras, au bout de ta voix. Alors voilà, ben Bernard nous dit qu'il est un peu trop loin, c'est dommage. Et puis oui, Simone qui est en Dordogne, ça fait un peu loin pour venir cet après-midi à La Rochette en Savoie. Alors je m'approchais un petit peu. On va essayer de rester jusqu'à la fin pour poser quelques questions à Fabienne pour son chien. Alors Simone nous dit que c'est spectaculaire, c'est vrai, quand on voit cette complicité. Et si, et dès qu'elle aura terminé, on posera quelques questions à Fabienne sur la façon de travailler, le temps qu'elle a pris pour arriver à dresser son chien. C'est terminé. Non. Elle, bon. Mais là, c'est terminé. On peut voir Fabienne après, discuter un peu avec elle. Oui, une fois qu'elle aura fini, oui. Bon, ça va. D'accord. Écoutez, on va voir un dernier parcours. Allez, il y avait le chien là-bas, prêt à démarrer. Alors, regardez un petit peu si... Alors, je ne vais même pas suivre le chien parce que la vitesse où il va et s'il est heureux de participer à cette... Il joue. Voilà, regardez. C'est extraordinaire cette manière dont le chien obéit. Voilà. Alors je pense qu'elle a terminé. Elle a terminé, on va aller voir Fabienne. Bravo, on a beaucoup de gens qui apprécient beaucoup ce que vous avez fait. Ah, alors, la race du chien. Alors, un Australian Kelpie. D'accord, parce que j'ai demandé tout à l'heure, mais les gens ne savaient pas trop. Oui, c'est peu connu comme race en fait. Hein. Juste, pardon, tu peux lui remettre son harnais s'il te plaît, et l'allonge. Oui, c'est pas très connu, assez confidentiel en France. Allez, indiscrétion, combien d'heures de travail pour arriver à ça? Alors nous, ça fait des heures, je saurais dire, mais ça fait 2 ans et demi vraiment qu'on fait du Hoopers. Voilà. Après, à raison de, sachant que l'hiver on s'arrête, parce qu'il y a des risques de blessures, de glissades sur le terrain, donc la priorité c'est la santé et le bien-être du chien. Donc du coup l'hiver on s'arrête, donc ça fait une période, on va dire, de mai, enfin de, non, d'avril à octobre où on travaille vraiment. Voilà. Eh bien écoutez. Un ou deux entraînements par semaine, quoi. Voilà. Et alors, ce parcours, il le connaît aussi, vous l'avez donné tout à l'heure, parce que... Non, là, il ne le connaît pas. Non, non. Là, on l'a installé ce matin. Et c'est pour ça que j'ai commencé. Alors, si on était en concours, il faut qu'il fasse, qu'il réussisse sur du premier coup, en fait. Voilà. Donc, c'est les conditions concours. Après, sinon, là, quand même, je l'ai aidé un petit peu, puisque je lui ai fait un petit bout du parcours au milieu, avant de le mettre en entier sur le parcours complet. Ouais. Mais il apprend très, très vite. Alors, ça vient de la race du chien, Non, tous les chiens peuvent vraiment faire du Hoopers. Le gros avantage du Hoopers, c'est que c'est justement des courbes qui sont très amples, très larges, donc on sollicite moins le corps du chien que dans l'agility, par exemple. Et du coup, c'est vrai qu'un jeune chien, un vieux chien peut faire du Hoopers. Après, ce qui va changer, c'est la vitesse, en fait. Alors lui, oui, c'est un chien qui est d'une lignée sportive, on va dire. Donc c'est un chien qui va facilement aller vite et qui va apprendre assez vite. Par contre, c'est un chien aussi qui a du caractère et quand il veut pas, il veut pas. Donc la connexion avec le chien et l'entraînement est primordial. Ouais. Il y a une très très belle complicité quand même entre le chien et Fabienne.
Oui, oui. Oui, on est très, très proches tous les deux. Ouais, on ne va pas se mentir. Il y a Simone, c'est spectaculaire, mais elle connaît son trajet par cœur, c'est magnifique. Ben non, apparemment, d'après Fabienne, elle vient de lui faire découvrir ce trajet et il a vite mémorisé. Oui, c'est ça. Ben, en fait, il mémorise. Alors, le premier coup, justement, il n'est pas dans la mémorisation. Le premier coup, il écoute, justement, c'est le premier coup qui est difficile parce qu'il doit être vraiment à l'écoute de ce que je lui dis. Et du coup, il ne sait pas. Donc, c'est là où je dis que je suis un GPS et si je ne suis pas assez rapide dans le GPS, ben, il ne va pas au bon endroit. Et par contre, effectivement, le chien mémorise le parcours au bout de deux fois. Il commence à savoir un peu, il a plus d'idées sur ce qu'il doit faire, voilà. Mais il ne connaît pas complètement le parcours par cœur. Mais c'est plus facile les deuxièmes, troisièmes fois, on va dire. Voilà. Et alors tout à l'heure, il est allé dans l'eau, c'est vous qui l'avez envoyé là-bas ? Non, non, alors c'est un chien qui a chaud très très vite, donc je le connais par cœur. Et vu que je sais qu'il y a le lac à côté, je savais très bien que là, il allait descendre, se rafraîchir et je le laisse vraiment faire. Parce que, encore une fois, le but du jeu, c'est que mon chien, il soit bien et heureux dans ce qu'il fait. Et je sais qu'il a besoin de se rafraîchir à ce moment-là. C'est un chien qui a beaucoup de cœur, donc il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, le rafraîchissement est vraiment important pour lui. On voit qu'il a envie de faire plaisir à la maîtresse, c'est normal. Merci beaucoup Fabienne. Merci à vous. Hein. Et bonne continuation. Alors on va aller voir, il y a beaucoup de chiens, il y a des nouveaux chiens qui arrivent. Alors là ce sont des chiens qui ont été dressés pour... On va rester quand même un petit moment en direct si les gens veulent bien nous suivre. Là on a des chiens qui sont... C'est handi-chien, donc on apprend aux chiens là à s'occuper de personnes handicapées, à aider les personnes handicapées. Regardez un petit peu si c'est joli. Voilà. Donc ils sont dressés. Ils sont dressés pour être avec des personnes handicapées. C'est très très beau ce qu'ils font là avec des chiens. Alors on va essayer d'attraper quelqu'un en vol si on peut avoir quelques informations sur tous ces animaux. Alors regardez, elle l'a posé, elle lui demande de rester. Il reste. Assez extraordinaire. C'est. Regardez, il surveille sa maîtresse. Alors, on va essayer de discuter avec un responsable. Ça risque d'être difficile parce qu'ils sont très, très, très occupés. Alors, on va essayer comment ces chiens sont dressés. On va essayer de voir, d'avoir une information. Donc, à minuit et demi au niveau de la zone de démonstration avec Andy Chien. Alors, on va regarder cette démonstration. Alors, j'ai une dame. Bonjour. Vous avez... Je peux vous poser deux, trois questions rapidement. Alors, à Place du Village, nous sommes en direct. Ces chiens, c'est vous qui les dressez pour d'autres personnes handicapées? Comment ça se passe? C'est ça en fait. Les chiens sont en famille d'accueil pendant un an et demi et c'est les familles d'accueil qui les éduquent et les sociabilisent pendant un an et demi. Et après, les chiens vont en centre chez les éducateurs spécialisés et le centre dont nous dépendons, c'est le centre de Lyon. Là, ils restent 6 mois et après, ils sont remis gratuitement à leurs bénéficiaires. C'est merveilleux. Donc c'est une association qui crée ça? Oui, c'est une association et c'est pour des personnes à mobilité réduite ou bien des enfants autistes, trisomiques, polyhandicapés. C'est aussi des chiens qui font l'alerte épilepsie, donc qui vont détecter l'alerte avant qu'elle se produise et puis réconforter la personne pendant la crise. On a aussi des chiens d'accompagnement social dans des EHPAD ou des IME ou aussi des chiens pour l'accompagnement judiciaire. C'est formidable ce que vous faites là, je ne connaissais pas du tout, bravo. Alors on va regarder un petit peu la démonstration. Avec plaisir, on est là pour vous montrer ce que nos chiens savent faire et puis pour vous montrer, parler un petit peu de l'association aussi. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup, on vous laisse faire, merci bien. Alors voilà, donc ces chiens sont à l'école, à quelque part, on leur apprend. Voilà, Simone qui nous dit que c'est vraiment magnifique. Alors, ces chiens sont quelque part à l'école, on les apprend, on les forme pour qu'ils s'occupent ensuite de personnes handicapées. Donc, pendant un an et demi, ils sont formés. Donc, on va regarder un petit peu la démonstration. Et ce qui est assez incroyable, ils arrivent à détecter quelqu'un qui va avoir une crise d'épilepsie avant que la crise se déclenche. Ça, c'est merveilleux. C'est formidable ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces animaux. Alors, regardez, je recule un petit peu. Merci également à Mécanique Service Automatisme, entreprise de Chauvin-Louis de Savoie.
Ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là forment des chiens, pour ensuite les donner. Et donc le chien va aller, le binôme d'une personne à mobilité réduite, personne qui a besoin qu'on l'aide. C'est formidable. Eh bien, écoutez. D'abord. Regardez un petit peu le. Ces chiens sont magnifiques. Donc c'est une dame qui doit être instructrice pour un chien. Donc les chiens ont une sorte de dossard pour les reconnaître des autres. C'est vraiment très très chouette. Regardez la complicité entre les chiens et les maîtres. Ils sont vraiment été dressés pour être dociles. C'est formidable. Là, celui-ci va chercher la nourriture. C'est assez fou, regardez. Alors ça c'est chouette. Est-ce qu'on peut avoir une démonstration d'un chien qui va chercher carrément dans le placard quelque chose? On va poser la question. Regardez. Alors je ne sais pas si vous voyez un petit peu, le chien va carrément refermer le placard. Il est allé dans le placard chercher quelque chose. C'est tout à fait magnifique. Alors, je pense que cette dame va faire la même chose. Voilà. Elle va mettre... Regardez un petit peu la démonstration ici. Voilà. Un chien va aller au placard. Regardez. Regardez, le chien va aller chercher. Est-ce qu'il va y arriver ? On voit qu'il y a beaucoup de volontaires et bénévoles également qui sont là pour les guider. Et vous allez avoir une explication. C'est assez fou. De ce qui se passe. Je vais essayer de reculer un petit peu. Regardez, le chien va prendre la ficelle, ouvrir la porte. Donc je vais laisser apporter le micro à Marie-Christine qui pourra vous guider et vous expliquer les choses. Ça, c'est incroyable. Il va chercher la nourriture. Alors, ils sont là en formation. Il n'a pas tout à fait compris, lui, mais ça va venir. Alors, on va voir s'il y a un autre chien qui va aller chercher quelque chose dans le placard. Il ouvre le placard, il prend la nourriture, il l'amène sur cette table. Et ensuite, il va refermer le placard. Donc. Alors, on regarde encore. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Donc, voilà. Nous sommes là ce soir. Terminer maintenant ce petit direct, terminer ce direct donc sur cette démonstration qui était vraiment très très sympa, très chouette. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui sur les animaux. Et donc tous ces gens-là sont des bénévoles qui prennent des chiens. Voilà. Et regardez, on dit chien reconnu d'utilité publique puisqu'on va dresser ces chiens pour venir en aide à des personnes à mobilité réduite. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, merci beaucoup. Et à très bientôt.